Muy bien. Buenos días. Ok. Muy buenos días a todos. Continuamos hoy con la serie de conversaciones con los autores que hacen parte de la colección de Fenomenología y Hermenéutica de la editorial Aula de Humanidades, colección a la cual se integra la obra de nuestro invitado Renaud Barbaraz, titulada Metafísica del Sentimiento, publicada en Francia en 2016 y que tuve el honor y placer de traducir y publicar a finales del año pasado en esta editorial. Bueno, me complace enormemente tener esta conversación con el profesor Barbaraz y en compañía de colegas filósofos de distintas latitudes que han mantenido un vínculo estrecho con el pensamiento de Renaud Barbaraz y a quienes agradezco de corazón pues haber aceptado esta invitación. Voy a presentar brevemente a los participantes y hacer una introducción muy breve también a la obra Metafísica del Sentimiento antes de darle la palabra a nuestros invitados. Renaud Barbaraz, pues es un filósofo francés, graduado de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud y actualmente profesor de filosofía contemporánea de la Universidad París 1 Panteón Sorbonne. Su trabajo se desenvuelve fundamentalmente en la fenomenología, estableciendo vínculos con la metafísica y la ontología. Después de haber dedicado un periodo importante de su trabajo al estudio de la fenomenología de Merleau-Ponty, el profesor Barbaraz se dedicó al estudio de una serie de problemas relativos a la pregunta por la corporalidad, el deseo y el sentimiento como formas de inscripción del hombre en el mundo y por el modo de dar cuenta desde la fenomenología y la ontología de la existencia de tal inscripción. La elaboración de este problema es una tarea pendiente de la fenomenología y de la ontología desde sus despliegues inaugurales en Husserl y Heidegger, tarea cometida en parte por Jean Patočka. El profesor Barbaraz asume como tarea central de su pensamiento en la primera década del siglo XXI el estudio y la crítica de los planteamientos de Patočka, trabajo que dará lugar a dos obras importantes sobre el filósofo checo, El movimiento de la existencia de 2007 y La apertura del mundo de 2011. Estas obras contienen lo esencial de la asimilación y crítica que el profesor Barbaraz hace de Patočka y constituyen a su vez el punto de partida para un despliegue propio, original y autónomo de su fenomenología en relación con la metafísica y con la estética. Este despliegue cristaliza en diversas obras que ha publicado Renaud Barbaraz durante la última década, siendo una de ellas pues muy representativa, Metafísica del Sentimiento. En el año 2014, Renaud Barbaraz recibió el Gran Premio de Filosofía de parte de la Academia Francesa en reconocimiento al conjunto de su obra y en 2017 el Premio Cardinal Mercier de la Universidad Católica de Lovaina por su obra Metafísica del Sentimiento. En 2019 ofreció el conjunto de lecciones de la Cátedra Cardinal Mercier de la Universidad Católica de Lovaina La Nueva, trabajo que constituyó la base para su último libro publicado a finales del año titulado La Partenance, La Pertenencia. Nuestros invitados, Graciela Ralón, es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta de filosofía de la cultura y seminarios de fenomenología en la Universidad Nacional de San Martín. Es integrante del proyecto de investigación en el marco de la UNSAM, de la UBA y de CONICET. Miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Por su parte, Mariana Larison es doctora en filosofía de la Universidad de Sorbona, París 1, bajo la dirección de Renaud Barbaraz y Roberto Walton. Se posdoctoró en filosofía en la Universidad de Sao Paulo bajo la dirección de Mariela de Sousa Chaui. Mariela Larison es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología
e investigadora de CONICET. Creo que tuvimos un pequeño corte. Bueno, Eric Pomie finalmente es profesor agregado en filosofía, doctor de la Universidad París I, Panteón Sorbón, miembro asociado de los archivos Husserl de París, profesor y director de la investigación en el Instituto de Filosofía de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Bueno, nuevamente pues agradezco enormemente a todos ustedes haber aceptado esta invitación. Voy a introducir muy brevemente la obra que comentaremos, Metafísica del Sentimiento, para darle paso luego, digamos, ya a las preguntas propiamente dichas. Quisiera introducir esta obra, que es el objeto pues central de nuestra conversación, retomando algunas de las proposiciones con las cuales Renaud Barbarás inicia su obra. Plantea que la motivación y el punto de partida lo constituye una reflexión acerca del alcance metafísico de la poesía y de lo poético como modo de existir que se nutre de una experiencia. La experiencia poética es la de una separación fundamental frente al mundo, separación que se esfuerza por superar. La tesis, si se quiere, inicial de la obra es que lo poético da acceso a lo sensible como tenemos un problema de conexión. Ok, volvimos acá. Lo poético es de tal modo experiencia de la separación o del exilio ontológico e intento de superarlo, y el lenguaje constituye en este sentido el recurso contra una separación de la cual es el mismo, al mismo tiempo, su primera manifestación. Así pues, la poesía adquiere el estatuto de intento de reconciliación del lenguaje con lo sensible, obliga al lenguaje en cierto modo a ir contra sí mismo. Este planteamiento básico da lugar a dos grandes partes en las cuales se divide la obra, la separación y el sentimiento. La separación es una elaboración fenomenológica y metafísica del exilio ontológico fundamental del viviente con respecto al mundo y particularmente del sujeto. El sentimiento, por su parte, como la vertiente afectiva de lo poético, abre o da acceso a lo que estamos, aquello de lo que estamos radicalmente separados. Una comprensión del sentimiento como la que aquí se insinúa implica repensar la afectividad y el sentimiento y replantear críticamente la comprensión, su comprensión, no solo corriente, sino también su elaboración filosófica. En una discusión que emprende Renaud Barbarás con pensadores como Michel Henry, Merleau-Ponty, Heidegger y Henri Maldinet. Metafísica del sentimiento es Maldiney. pues un... Maldinet, sí. Metafísica del sentimiento es pues una obra que indaga por el a priori, del a priori de correlación, indagando al mismo tiempo por la separación y la unión, por decirlo esquemáticamente, entre el viviente y el mundo, o dicho de otro modo, por la separación y el sentimiento, como forma específicamente subjetiva de intento de superación de la separación, de la que da testimonio la experiencia poética como modo de existencia. Una vez propuesto el problema fenomenológico y cosmológico de la separación, de la que procede el sujeto, separación que resulta de un archiacontecimiento que afecta al archimovimiento de la vida, se ocupa Renaud Barbarás en mostrar de qué modo el sujeto, pese a esa separación radical que determina
tu movilidad está emparentado fundamentalmente con el mundo, hasta el punto de que su modo de ser comporta una forma de acceso originaria al mundo del que está separado. Modo de ser que designa como sentimiento y que es como la otra cara del deseo. Si por medio del deseo el sujeto se encamina al ente intramundano y lo fenomenaliza, el sentimiento es aquella forma de ser del sujeto, aquel existenciario, diríamos en términos de Heidegger, que le procura una forma de acceso al fondo mundano mismo, al suelo de proveniencia de los entes. Y es la existencia poética aquella en la que ese acceso puede articularse como obra de arte, por nombrar su efectuación privilegiada o eminente. Por último, no quisiera concluir esta introducción sin hacer referencia a la obra más reciente de Renaud Barbaras titulada La Partenance, la pertenencia, la cual, como su título indica, está emparentada estrechamente con Metafísica del Sentimiento. Digo que el título mismo ya remite a Metafísica del Sentimiento, puesto que hacen parte de una esfera, digámoslo así, homogénea de su pensamiento, el de una reforma de la ontología y la fenomenología por la vía de una metafísica o una cosmología. Con todo, los puntos de divergencia son también significativos. Incluso podríamos decir que el planteamiento se simplifica positivamente al modificar radicalmente el punto de partida y al plantear como hipótesis una idea que funcionó, por decirlo así, como trasfondo, como supuesto o axioma no discutido en Metafísica del Sentimiento. Me refiero en primer término, en palabras de Renaud Barbaras, a la necesidad de recuperar en la idea de cuerpo la respuesta asumida y reflexivamente a una pregunta que en verdad nunca fue planteada propiamente en nuestra tradición filosófica y particularmente en aquella que Hans Jonas ha denominado ontología universal de la muerte. Y en segundo término, a proponer en la idea de pertenencia la respuesta a la pregunta por la inscripción del cuerpo en el mundo, respuesta que desencadenará una reforma profunda de la ontología contemporánea, tal como la despliega Barbaras, en esta última obra, a partir de una reflexión minuciosa acerca de las relaciones entre cuerpo, pertenencia, mundo y espacio, por mencionar solo cuatro de los conceptos centrales que introducen su reflexión. Bueno, muy bien. Voy a concluir aquí esta breve presentación que ya se está extendiendo mucho y a darle la palabra entonces a nuestros invitados para que formulen sus preguntas al profesor Renaud Barbaras. Entonces, le doy la palabra a la profesora Graciela Rallón para que plantee su primera pregunta, si le parece. Está cerrado el micrófono de Graciela. Sí. No, decía que recién se me cortó la comunicación, pero bueno, espero que funcione. Profesor Barbará, hay un hilo conductor en su exposición que es así como una especie de pregunta que usted nos recuerda todo el tiempo, que es la siguiente, es decir, ¿cómo el sujeto bajo la misma relación puede pertenecer al mundo y condicionar su aparición? Es una pregunta muy compleja, ¿no? Y sobre todo si uno le pone el acento bajo la misma relación. Pero bueno, en este momento, y a modo de ser precisa en lo que pregunto, ya desde su exposición anterior en Buenos Aires, a mí me quedó, digamos así, ahora que volví sobre el texto, la noción de pertenencia. Y por lo visto veo que usted el año pasado publicó un nuevo libro sobre la pertenencia y cosmología fenomenológica, creo, ¿no? Bien, pero bueno, yo el libro no lo tengo, he podido leer algunas reseñas, pero no así con la precisión como para preguntarle desde ese libro, sino desde la Metafísica del Sentimiento. Aquí usted, hay como matices en la noción de pertenencia, diría yo, ¿no? Por ejemplo, hay un sentido superficial de la pertenencia, que sería la pertenencia inclusiva,
una inscripción en el mundo por parte de los entes, entiendo. Y luego también hay, creo que acá es donde se juega, ¿no es cierto?, el entramado de la pertenencia, en el sentido que usted habla de ocupar un lugar en el mundo, ¿sí?, de estar hecho de la misma estofa del mundo, y el mundo es el suelo a partir del cual, podríamos decir en un sentido ya más profundo de la fisis, brota el ente. Ahora bien, esto lo formula también en otro momento, más así, creo que los términos son los mismos, hablando de la hiperpertenencia, usted habla de suelo, extrae su modo de ser, comparte la misma textura ontológica y ese entramado le da el nombre de situación. Bien, para hacer ahora la pregunta. A ver, la pertenencia, cuando usted está hablando de pertenencia, está hablando de un lugar, ¿sí? Está hablando de un dónde, pregunto. ¿Es un lugar físico? No lo creo. Está hablando de que está hecho de la misma estofa. Ahora bien, no todos los entes están hechos de la misma estofa. En un momento lo escuché decir que habría que hacer una tipología de la pertenencia, algo así, ¿no? Y finalmente la noción de suelo, que quizás, en cierto sentido, para los husserlianos es la más conocida, ¿no? También para Patochka, obviamente. No sé si usted lo está tomando, no sé a veces en qué sentido está tomando la palabra suelo, ¿sí? Porque, digamos, entre lugar, yo sé que después usted habla de sitio, de lugar, de suelo, ¿no? En su nuevo libro, que ya le digo, no tuve oportunidad de leerlo, pero más o menos las coordenadas son las mismas, ¿o no? El problema es, en primer lugar, el problema es lugar, digamos, ¿no? Es decir, un lugar en el mundo. ¿Es lo mismo que habitar? Digamos, hay una... esa noción de estar, de ser de la misma estofa, no sé, a mí es, no sé si usted se da cuenta de lo que le quiero preguntar, pero digamos, veo, aparte es claro que usted se ha, digamos, ha optado siempre por una prioridad ontológica espacializante y no temporalizante, ¿no? Es decir, esto es muy claro y no por casualidad, digamos, los términos con los que usted caracteriza la pertenencia hablan de una espacialidad ontológica. Bueno, podría seguir preguntándole, no sé si Germán te parece, corto acá la pregunta, o aprovecho a hacer una segunda pregunta. O... acá está bien la pregunta. Yo creo que la pregunta es bien, yo sé que... Renaud, tu as compris tout à fait. D'accord, donc je crois que c'est bien comme ça. Merci, Graciela. Merci. Oui. Ça marche pas ? Oui. Ça marche ou pas ? Ça marche. Non, ça je marche. Disais que je voulais d'abord remercier Herman pour sa présentation très claire, synthétique et juste de mon travail, voilà. Et donc, je remercie Graciela pour sa question, qui est très ample et, à dire vrai, qui appellerait une réponse très développée, mais j'aurais juste faire quelques remarques. Vous avez commencé par la manière dont je pose le problème dans Métaphysique du sentiment et dans mes autres livres d'ailleurs, à savoir comment le sujet du même point de vue ou sous le même rapport peut faire partie du monde et faire paraître le monde, c'est-à-dire se distinguer du monde. Et je dois dire d'abord que il m'est apparu que cette position du problème est erronée
Et un des points de rupture de mon tout dernier livre par rapport au précédent, c'est précisément la prise de conscience de cette difficulté, parce qu'au fond, dire que le sujet en tant que condition de l'apparition du monde diffère du monde, c'est déjà avoir réintroduit une dualité et s'interdire de penser une appartenance radicale au monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que le pas franchi par mon tout dernier livre auquel vous avez fait allusion, ce pas franchi consiste justement à renoncer à cette position du problème en termes de continuité, rupture, appartenance, différence, mais au contraire, de penser tout à partir de l'appartenance, c'est-à-dire de se donner un plan strictement homogène d'appartenance et de rendre compte du sujet et de la subjectivation et de la phénoménalisation à partir de l'appartenance elle-même. Du coup, et c'est la seconde remarque que je veux faire et qui me permet peut-être de répondre plus précisément à la question, je distingue en effet trois sens de l'appartenance. Premièrement, vous y avez fait allusion, ce que je nomme site, c'est-à-dire la stricte localisation topologique, mais qui n'est pas encore spatiale, à proprement parler spatiale, parce que c'est simplement la position inhérente à l'étentité de l'étant comme telle, à l'individualité de l'étant, hein, et qui n'est pas une position, qui n'est pas encore une position spatiale ou géométrique. Ça correspondrait au point de vue de la monade chez Leibniz, c'est-à-dire c'est le point qu'occupe l'étang en tant qu'il est tel étang, et donc en tant qu'il se distingue des autres étangs. Le sol, dont vous avez beaucoup parlé, c'est évidemment la texture ontologique de l'étang, et qui est commune à tous les étangs. L'équivalent serait d'une certaine façon la terre, par exemple, chez Husserl. Et j'ai appelé lieu, alors il y a des problèmes de traduction, mais je pense que c'est clair, j'appelle lieu ce qui est déployé par l'étang depuis son site, c'est-à-dire que c'est seulement à ce niveau-là que la dimension proprement spatiale apparaît. Autrement dit, le lieu, c'est l'espace originaire au sens où Merleau-Ponty l'entend, c'est-à-dire l'espace déployé par un étang. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai voulu montrer, c'est que sous cet espace que j'appelle lieu, qui est déployé par un étang, qui est au fond le monde ou un monde, eh bien, il y a deux couches plus profondes qui rendent compte de ce mouvement de déploiement, c'est-à-dire de ce mouvement de phénoménalisation. Ces deux couches plus profondes sont précisément le sol ontologique et le site topologique. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que, au fond, tout étant tend à combler l'écart entre le sol ontologique et le site topologique. C'est au fond, tout étant tend à rejoindre son sol ontologique. Et j'appelle lieu le monde déployé par cette tentative qu'on pourrait appeler désir aussi. Autrement dit, ça veut dire que tout étant est topophénique, ou plutôt que la phénoménalisation est toujours une topophénie. Alors, bien sûr, et je ne vais pas me répondre trop longtemps, bien sûr, le mot sol est ambigu parce qu'il il introduit une détermination statique qui n'est pas la détermination ultime, dans la mesure où, dans ce livre en tout cas, mais aussi dans le livre précédent, j'ai été conduit à montrer que le sol a ultimement une signification dynamique, hein, comme procès, comme production, comme fusis. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais parler du sol comme sol, c'est évidemment ambigu, puisqu'on met en avant une détermination statique qui ne peut être que provisoire, puisque le sol, c'est une source. C'est-à-dire, c'est un principe de production, c'est une genèse, c'est un processus, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais en tout cas, voilà les précisions que je pourrais apporter sur le statut de ce site, de ce sol et de ce lieu. J'ajoute pour conclure que, du coup, il y aura un quatrième concept à introduire, qui est le concept de place. Et d'une certaine façon, la place, comme occupation stricte d'un espace géométrique, hein, comme espace délimité, eh bien, la place, c'est le lieu de certains étangs, notamment les étangs non vivants, à savoir, c'est le lieu des étangs qui sont incapables de déployer un monde au-delà de leur site. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais je ne veux pas abuser de la parole. Yes. Okay. Sí, en parte me ha respondido. Lo que pasa, sí. Me quedo pensando igual en esta noción de lugar, ¿no? Sí, porque entiendo que no es place, ¿no? Entiendo que no es un lugar
digamos, espacio geométrico, ni un lugar, digamos, físico, en el sentido de tampoco el movimiento es desplazamiento. Entiendo muy bien que usted se separa, digamos, totalmente, ¿no?, de esa concepción moderna del movimiento y del espacio. Pero, digamos, a ver, quizás yo marqué los tres sentidos y usted me responde a los tres sentidos, ¿no? Pero, ¿cómo, de alguna manera, a ver, pongamos ejemplos concretos, ¿no? En esas, ¿podría haber una tipología de la pertenencia? Es decir, ¿la piedra, el animal y el hombre pertenecen de la misma manera? Je peux répondre. Sí. Non, l'idée fondamentale, c'est de renverser le problème du corps et de comprendre que le corps est une réponse erronée, insuffisante, à une question fondamentale qui est celle de l'appartenance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai un corps que j'appartiens, c'est dans la mesure où j'appartiens que j'ai un corps. Dans la mesure où tout étant appartient au monde, tout étant a un corps ou tout étant est corps. Donc, on se situe sur un plan de stricte univocité. Je vous réponds. Du coup, la seule différence qu'on peut introduire entre les étangs, ben, c'est une différence de modalité d'appartenance. Autrement dit, ce n'est pas l'être, mais c'est l'appartenance qui se dit en plusieurs sens. Or, comment distinguer des modalités d'appartenance, sinon en termes de profondeur ? Autrement dit, c'est ça que je veux absolument montrer, c'est que les étangs ne peuvent plus être distingués que par des modalités qui peuvent accepter toutes sortes de degrés d'appartenance. C'est pour renoncer au grand clivage entre conscient, non conscient, vivant, non vivant, inerte, vivant, etc. Mmh. Autrement dit, d'une certaine façon, tous les étangs sont vivants au sens où tous les étangs déploient un monde, et ils déploient tous un monde parce qu'ils sont tous séparés de leur sol. Après, eh bien, il y a tous les degrés possibles, mais c'est régi simplement par une loi fondamentale qui est que, et c'est en quoi je m'oppose sur ce point Merleau-Ponty radicalement, qui est que la condition de la phénoménalisation, c'est la profondeur de l'appartenance. Autrement dit, plus un étang appartient profondément au monde, plus il est capable de le phénoménaliser. Par conséquent, si nous sommes capables de déployer un monde, ce n'est pas en raison de notre extériorité au monde, mais c'est au contraire en raison de la profondeur de notre appartenance au monde. Et à l'inverse, la pierre, par exemple, que vous évoquiez, la pierre, si elle n'a pas de monde ou un monde très réduit qui se réduit à sa place, eh bien c'est simplement parce qu'elle est à la surface du monde et que, contrairement aux apparences, la pierre n'a pas d'inscription ontologique dans le monde aussi profonde que la nôtre ou celle de l'animal. Donc, je ne sais pas si vous avez répondu, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a, une univocité fondamentale de l'appartenance, et donc les différences ne peuvent être que modales, et les modalités se disent en termes de profondeur, avec une loi d'équivalence entre profondeur et phénoménalisation. J'espère vous avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Tengo otra pregunta, pero no podría seguir. Por el segundo turno. Entonces, es Mariana que... Sí, sí. Tienes la palabra, Mariana. Ahí. Bueno, como Renault no tiene una traducción simultánea, y para agilizar un poco, acordamos que hacerlo en francés. Después entiendo que la editora va a poner los subtítulos para subirlo traducido. Donc, quel plaisir de nous rencontrer ici. Merci Germaine, Renaud, Graciela, Eric. Donc, je vais faire un petit point tout d'abord avant de poser ma question qui est la suivante. Renaud est un auteur, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a des caractéristiques très particulières, de mon point de vue. La première, c'est qu'il est absolument consistant, c'est-à-dire c'est un penseur d'une radicalité énorme qui s'est mis un projet en tête et qu'il le suit jusqu'au bout, depuis son premier livre plus personnel, comme Le désir et la distance, jusqu'à son dernier livre, L'appartenance. Et il y a un projet qui se développe, qui a de petits arrangements, qui peut revenir sur certaines questions, mais qu'on peut résumer d'une façon très simple
comment penser de la façon la plus radicale la priori de la corrélation dont parle la phénoménologie husserlienne, qui est finalement ces trois aspects d'un même phénomène, c'est-à-dire il y a l'apparaître, il y a le phénomène, il y a quelqu'un à qui ce phénomène apparaît, il y a quelque chose qui apparaît. Tout l'œuvre barbarassien peut être lu comme une profondisation radicale de ces trois éléments fondamentaux et interrelationnés. Le désir à la distance commence avec la question de la perception, pour se demander sur les corps vivants, et le définir à partir de l'idée du mouvement, dans un sens moteur d'abord, après comme désir, et ouvrir avec ça l'apport à toute une profondisation qui continue avec l'introduction d'une phénoménologie de la vie, de la dynamique de la manifestation, la vie lacunaire, la métaphysique du sentiment, les désirs et le monde, finalement l'appartenance. Mais dans chaque livre, on prend soit un aspect de ces trois éléments qui participent dans la phénoménalisation, c'est-à-dire soit la subjectivité, soit la manifestation elle-même, soit le monde, soit les trois ensemble la plupart du temps. Et il va en définissant ça d'une façon à chaque fois plus profonde et à chaque fois plus éloignée de la manifestation au sens où on peut la comprendre, c'est-à-dire ce qu'on voit. C'est toujours en dimension encore plus profonde et encore moins apparente au sens de ce qui apparaît de ce temps. Donc, la subjectivité, elle va être définie par l'intentionnalité d'abord, pour les mouvements après, pour les mouvements vitaux après ça, pour les désirs qui sous-tend cette vitalité, avec une métaphysique de sentiment, on voit qu'il y a encore une couche plus profonde de cette désir qui est le sentiment lui-même, comme cette dimension la plus intime de l'épreuve de soi, qui est en même temps une ouverture au monde au sens le plus profond. Enfin, je veux dire, on peut tout décrire à partir de ces trois éléments et dans son sens chaque fois plus radical. Or, ma question est la suivante. On peut définir donc à partir de ça les projets barbarassiens comme une dynamique. C'est peut-être la phénoménologie qui a pensé d'une façon la plus radicale les problèmes du mouvement dans les chemins de Patochka, mais on peut la définir comme une phénoménologie de la dynamique, comme une dynamique. Et dans cette dynamique qui est pensée par soi, il y a tout un vocabulaire qui dépend de la réflexion sur les mouvements qui est métaphoriquement spatial. Et c'est ça, je pense, aussi qui apparaîtrait aussi dans la question de Graciela. Bien sûr, une spatialité qui n'est pas détendue, mais des rapports spatials. Proximité, distance, profondeur, fond, sol, place, tous les vocabulaires est un vocabulaire surtout des rapports spatials. Donc, des renversements vers le soi, de celui à qui l'apparaître apparaît. Mais il n'y a aucune réflexion, et ça commence là, commence ma question, aucune réflexion sur la temporalité. Aucune, dans aucun niveau. C'est-à-dire, le mouvement n'est jamais pensé dans son rapport au temps. Ma question est comment et pourquoi? C'est-à-dire, d'abord, il n'y a pas une réflexion au niveau existentiel, c'est-à-dire au premier niveau, en subjectivité, en situation, qui n'est jamais en situation temporelle, au niveau phénoménologique, parce que ce n'est pas seulement que la dynamique elle n'a pas besoin de temps pour être pensée, sinon qu'il n'y a pas non plus une réflexion sur la temporalité de l'approche lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une génétique. Il n'y a pas un réflexe, c'est toujours une position d'une phénoménologie statique, on pourrait dire. Donc, comment ces concepts-là, comment ces structures subjectives, elles sont possibles du point de vue de son historisation? Il n'y a pas non plus une réflexion au sens métaphysique, c'est-à-dire d'une histoire de la métaphysique où cette structure de la phénoménalisation puisse avoir du sens. Comme Heidegger, on peut penser à cette histoire de la métaphysique qui s'invente Heidegger pour donner un sens à sa propre métaphysique, mais
Dans aucun niveau, ni existentiel, ni phénoménologique, ni métaphysique, il y a de la place pour la question du temps. Pourquoi? Comment? Comment est-il possible? Penser les mouvements sans rapport au temps. Merci beaucoup pour cette question également massive. Juste une petite remarque, il m'arrive quand même de parler du temps ici ou là. J'en parle dans Dynamique de manifestation, j'en parle dans mon dernier livre, et même la question du rapport entre le temps et l'événement a évolué, puisque dans Dynamique de manifestation et dans les deux livres qui ont suivi, j'ai tendance à penser l'événement comme une inflexion du temps lui-même. Alors qu'effectivement, dans mon tout dernier livre, je pense le temps comme une modalité de l'événement, et donc je pense l'événement comme la dimension la plus profonde de la temporalité. Donc c'est pour dire que c'est pas absent de ma réflexion. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que, et ça d'une certaine façon, ça pourrait caractériser tout ce que j'ai fait, d'une certaine façon, je donne une priorité fondamentale à l'espace, et ma phénologie, s'il y en a une, est une phénologie de l'espace. D'ailleurs, dans ce dernier livre auquel décidément je suis conduit à faire allusion, je défends l'idée que je tire en partie d'Augustin Berg, du géographe, d'une ontologie géographique et d'une géographie ontologique qui met en avant l'idée fondamentale selon laquelle être, c'est d'abord y être. Autrement dit que le sens d'être de l'étang, c'est justement le lieu. Et d'où, évidemment, une théorie de l'appartenance. Alors, cette perspective qui minimise la place du temps, elle va de pair avec une critique radicale du subjectivisme en tant qu'il intègre aussi la position de Heidegger. Au fond, on pourrait dire que le dispositif théorique qui est commun à toute la phénologie et surtout au sœur Heidegger, c'est le suivant. Implicitement, on définit les étangs non subjectifs, la plupart des étangs, comme caractérisés par l'identité à eux-mêmes, de telle sorte que l'étang que nous sommes va être pensé dans cette différence radicale, justement par opposition aux étangs mondains, à savoir comme un étang qui n'est pas identique à lui-même, bref, un étang qui se temporalise. Et donc on montrerait très bien qu'il y a une complicité fondamentale entre le subjectivisme sous toutes ses formes et le primat absolu accordé au temps. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, critiquer radicalement le subjectivisme, c'est critiquer radicalement le primat de la temporalité. Et par conséquent, la perspective que j'ai développée vise en effet à montrer que le sens d'être de l'étang, quel qu'il soit, parce qu'évidemment, ma perspective est d'en finir avec ce dualisme, le sens d'être de l'étang, quel qu'il soit, doit être pensé à partir de l'appartenance, c'est-à-dire à partir d'un mode de spatialisation plutôt qu'un mode de temporalisation. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps, mais ça signifie simplement qu'à mes yeux, le temps est parfaitement dérivé par rapport au mouvement. Le temps, c'est quoi? Alors, c'est tout à fait aristotélicien. Le temps, c'est quelque chose du mouvement. Voilà. C'est quelque chose du mouvement. Mouvement qui est fondamentalement un mouvement spatialisant, d'une part, ce que j'appelle lieu. Mouvement qui, d'autre part, s'enracine dans la tension entre deux immobilités métaphysiques, l'immobilité du site et l'immobilité du sol. Et donc, d'une certaine façon, ma perspective consiste à faire une genèse spatiale. Il y a une genèse. Mais c'est une genèse spatiale de la mobilité, qui évidemment conduit à faire du temps une dimension purement dérivée. Au plan cosmologique, qui est celui que je développe notamment dans ce livre, j'en viens au fond à dire qu'il n'y a de temps qu'avec ce processus de déploiement du lieu, qu'avec cette topophanie, donc comme quelque chose du mouvement, ce qui veut dire que l'absolu, que j'appelle déflagration, n'est pas temporel. Il n'est pas temporel. Il est spatialisant, il n'est pas temporel. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle une déflagration originaire, il y a une multiplicité qui est originairement spatiale, mais qui n'est pas encore temporelle. La temporalité naît à travers le mouvement d'appropriation, de tentative de réconciliation de chaque étang vers son propre sol, au profit de son propre sol. Donc j'assume pleinement le déséquilibre fondamental que j'introduis. C'est des choses qu'on trouve quand même chez le dernier Merleau-Ponty, et pour parler de manière très, comment dirais-je, à la fois naïve et libre, je dirais qu'au fond, moi, ce qui me frappe, c'est pas que ça passe, c'est plutôt que ça ne passe pas, ou plutôt, ce qui me frappe, c'est ce qu'on trouve chez Bergson et chez un certain Deleuze, le fait qu'il y ait une contemporanéité absolue par-delà
le cours temporel. Intuition qu'on trouve aussi chez Ruyère. Donc l'idée que d'une certaine façon, dans le passage temporel, il y a quelque chose qui ne passe pas, et il y a une coprésence originaire du passé au présent qui est plus profonde que la négativité temporelle. Pour dire simplement l'intuition qui nourrit tout ça, et c'est la raison pour laquelle, en lisant L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, je suis toujours frappé par le fait que Merleau-Ponty finit par évoquer un espace qui contient tout, y compris le passé et le futur. Et donc je pense en tout cas mon intuition métaphysique ici, c'est celle d'une archi-contemporanéité plus profonde que la temporalité, et donc d'un espace originaire qui contient la temporalité et au sein duquel la temporalité se déploie comme une dimension de la mobilité. Donc, loin de me défendre des réserves que tu émets, je les assume pleinement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à la temporalité, mais pour moi, au fond, ça ne me paraît pas très compliqué. Ce que je trouve compliqué, c'est l'espace. Et je peux dire quelque chose Oui, je sais, j'ai entendu dire ça plusieurs fois, les problèmes sur l'espace, la temporalité, bon, c'est très facile. Bon, je te laisse. C'est très facile. Il y a plein de conséquences de ne pas prendre les rapports temporalité-mouvement dans son sens le plus profond. Je comprends ce que tu dis et je pense que même on peut penser, le problème c'est qu'en faisant ça, on soutient le partage même qui depuis Aristote jusqu'ici, est à la base de la distinction philosophique entre espace et temps, qui est justement celle de la coprésence, de la simultanéité et la succession. Peut-être, c'est ça mon point, c'est que si on ne pense pas au fond aussi la temporalité, on continue à perpétuer cette distinction que finalement n'est pas autant comme ça pour l'espace que ni pour le temps, c'est-à-dire ni peut-être l'espace va être pensé juste comme la coprésence de la simultanéité seulement, ni la temporalité. C'est comme si tu soutenais une dualité finalement qui n'est pas telle, pour que pour être pensée autrement, pour ne pas perpétuer une certaine dualité dont je sais c'est ton problème premier, toujours. Mais il y a des conséquences aussi différentes. C'est bien ça, tu prends l'idée aristotélicienne du temps, c'est-à-dire comme la numération, comme compter les mouvements, c'est numérer les mouvements. Mais depuis Aristote, depuis le début, ça pose le problème de qui, c'est qui compte. Donc, ça réintroduit tout de suite le problème de la subjectivité et le rapport au problème de temps. Je passe toute l'histoire du problème du temps et son rapport au mouvement. Mais il y a aussi une deuxième question qui apparaît dans la mienne et qui, pour moi, c'est une conséquence très profonde de cet oubli du temps. Et c'est que ça donne l'impression aussi d'être devant d'un projet complètement idéaliste, mais au sens husserlien, c'est-à-dire qui pense une structure subjective qui est complètement détachée de sa propre historicité, de l'historicité comme problème, finalement. De l'historicité du concept même de subjectivité. Donc, s'en passer du temps, c'est s'en passer de l'histoire aussi. Et là, je crois qu'il y a aussi d'autres conséquences pour penser la phénoménalité et l'espace, qui c'est un espace qui finalement n'a pas de situation, parce que s'il n'est pas situé dans une histoire, dans un moment, dans une géographie, mais au sens plus profond que c'est la géographie humaine, c'est-à-dire pas tous les espaces sont la même chose, les rapports de pouvoir, les rapports de politique, historique, particulier. On ne peut pas rendre compte de ça. On est finalement devant une subjectivité qui est pure idéalité, conceptuellement prise. Voilà, je réponds brièvement. D'abord, non. On est condamné à parler en termes de dualité, mais bien entendu, ma perspective vise à mettre au jour un plan qui est plus profond que la dualité entre ce qu'on appelle espace et ce qu'on appelle temps. C'est-à-dire ce que j'ai appelé désir, ce que j'appelle tout le temps désir et que je décris maintenant comme réduction de la tension entre le sol et le site, c'est quelque chose qui n'est pas encore spatial et pas encore temporel, ou plutôt qui relève d'une sorte d'archi-espace ou d'espace originaire ou de spatialisation originaire dont le temps est un moment. Donc on est embarrassé par le vocabulaire, mais j'aimerais trouver un terme et dire voilà, c'est autour du mouvement de l'espace.
certains termes qui permettent d'en finir avec la dualité. Simplement, ce qui est vrai, tout de même, c'est qu'il y a une distinction abstraite et dérivée par rapport à cette couche de spatialisation originaire, ça c'est sûr. Deuxième remarque, quand j'ai parlé d'Aristote, c'était pour dire juste que le temps était quelque chose du mouvement, mais je n'allais pas jusqu'à dire que c'était le nombre du mouvement, parce qu'évidemment ça soulève toutes sortes de problèmes. Je voulais juste dire que le temps ne pouvait pas être pensé indépendamment du mouvement. Quant au troisième point, j'assume pleinement, d'ailleurs moi, l'histoire pour moi ça a toujours été un problème, et c'est pour ça que je comprends pas du tout Heidegger, en fait, et je ne comprends pas du tout ce que veut dire l'histoire de l'être, parce que simplement je me situe à une couche qui n'est pas même pas celle de la subjectivité, qui est celle, ce qui m'intéresse au fond, c'est l'apparaître, et c'est de tenter de faire une sorte de cosmologie de l'apparaître, et de comprendre ce qui se passe, ça apparaît, mais quand ça apparaît pas encore à un sujet, à quiconque, à une plante, à un animal, etc., c'est au fond la question de l'a priori de l'IA, de l'a priori corrélationnelle. Et donc, à ce niveau-là, d'une certaine façon, il n'y a pas encore d'histoire. Il n'y a pas encore d'histoire parce qu'il n'y a pas encore de subjectivité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est une couche absolument originaire où il n'y a évidemment pas de sujet de déterminer socialement de telle ou telle façon, historiquement, tout ça. Il n'y a même pas de sujet au sens de sujet constitué. Donc, ma question, c'est celle de l'apparaître comme tel et de l'a priori de l'apparaître comme tel. Apparaître qui n'est pas encore un apparaître à tel ou tel étang. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Je sais que c'est frustrant, mais j'assume. Donc, la question de l'histoire et renvoie à une autre couche qui implique des subjectivités constituées, une communauté, etc., ce dont je suis incapable de parler. Merci beaucoup. La parole à Eric. Merci, Herman. Pour formuler ma question, je remonte un petit peu en amont de métaphysique du sentiment, avant d'aller peut-être en aval. Herman rappelait tu mets en scène, mets en œuvre un dispositif métaphysico-cosmologique pour rendre compte de la subjectivité phénoménologique, de l'a priori universel des corrélations, et présenter ta théorie de l'archivènement et de l'archimouvement. Le problème qui peut se poser dans Dynamique de la manifestation, et que tu poses, je crois, c'est celui de l'attestation de ces deux éléments, et tu trouves certaines modalités d'attestation de l'archi-événement du côté de l'interrogation pure et, pour ce qui est de l'archi-mouvement, du côté du sentiment, qui est une manière de dépasser la finitude au sein de la finitude et de retrouver cet archi-mouvement. Et d'où aussi métaphysique du sentiment, la deuxième partie de métaphysique du sentiment étant consacrée à cette théorie du sentiment qui est si fondamentale parce qu'elle permet de rejoindre l'archi-mouvement. Mais dans Recherche phénoménologique, qui est un ouvrage qui est paru ultérieurement, dans la préface, il se passe quelque chose d'assez important, c'est que tu te rends compte que ce dispositif pourrait maintenir le dualisme, puisqu'il y aurait l'archi-événement d'un côté, l'archi-mouvement de l'autre, et cela a des conséquences au plan de la chair, celle-ci ayant un pied dans l'archi-événement et un pied dans l'archi-mouvement, d'où l'appartenance, ton dernier ouvrage, vers une cosmologie phénoménologique, où là, il se passe quelque chose de très surprenant. Enfin, pour ceux qui te suivent depuis un certain temps, c'est quelque chose d'assez étonnant, de considérable, et que tu dis d'ailleurs dans une note de bas de page, comme ça, enfin, c'est tout à fait développé, mais c'est dans une note de bas de page où tu dis, ça me conduit à modifier le dispositif de dynamique de la manifestation. C'est-à-dire que l'archi-événement semble identifié à l'archi-mouvement. Ils ne font plus qu'un dans cette théorie de la déflagration que tu évoquais il y a quelques instants, à travers une nouvelle lecture de la procession plotinienne. Dans ce cadre-là, ma question est la suivante. En premier lieu, est-ce que ce nouveau dispositif change quoi que ce soit à ta théorie du sentiment? Est-ce que le sentiment qui, au départ, était cela qui nous met en contact avec l'archi-mouvement,
est modifié au regard de cette modification du dispositif, puisqu'il y a cette identification, je dis peut-être mal, de l'archi-événement et de l'archi-mouvement. Que devient l'interrogation pure qui devait être cette forme d'attestation de l'archi-événement ? Toutes ces questions évidemment sont liées. Quel est le statut de la métaphysique ? Parce que tu avais pris soin de dire que la métaphysique était finalement cela qu'il fallait ajouter, semble-t-il, à la cosmologie, à l'ontologie, pour penser cet archi-fait qu'est l'archi-événement. Quel est le statut de la métaphysique ? Et enfin, à la fin de l'appartenance, tu évoques la nécessité de reprendre la question du sentiment. Tu évoques l'importance de la question du sentiment. Tu appelles de tes vœux une esthétique que tu appelais également de tes vœux à la fin de Métaphysique du sentiment. Et ma question est donc aussi celle-ci. Qu'est-ce que cette esthétique pourrait ajouter à ce que tu as déjà dit à l'égard du sentiment? Quel est son cahier des charges? Est-ce qu'il y aurait une classification des arts? Est-ce qu'il y aurait des arts plus poétiques que d'autres? Peut-être à cause de ce que disait Mariana, parce qu'il serait plus spatiaux. Hein, dans l'appartenance, tu évoques beaucoup l'architecture, la peinture. Enfin, tu évoques plutôt des exemples empruntés à l'architecture, la peinture, la sculpture. La musique serait-elle trop temporelle? Ne serait-elle pas aussi poétique que les autres? Etc. Enfin, il y a tout un bouquet de questions qui pourraient se décliner. Et je m'arrête là. Merci si ça te fait sens. Merci à toi pour cette description. Cette restitution impressionnante de ma trajectoire depuis, donc tu as résumé, comme j'aurais pas pu le faire, sans doute, le mouvement depuis 5-6 ans, donc merci. Sur le sentiment, évidemment, c'est très central et c'est une question très pertinente parce que, d'une certaine façon, s'il y a quelque chose à quoi je ne peux pas renoncer, c'est à ça. Donc, je vais te répondre un peu plus précisément. Hein. Parce que dans Métaphysique du sentiment, puisqu'on est censé être là pour en parler également, dans Métaphysique du sentiment, le sentiment vient répondre à un problème fondamental qui est celui de la condition de possibilité de mon propre discours, puisque si évidemment je définis le sujet par sa séparation fondamentale vis-à-vis de la archi-mouvement, séparation effectuée par ce que j'ai appelé archi-événement, la question se pose de savoir comment je puis parler de cela dont je suis séparé. Donc il faut bien admettre qu'effectivement, je suis relié d'une certaine façon à ce plan originaire que j'appelais archi-mouvement, et la réponse, c'était le sentiment, bien sûr. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fondement du philosophique n'est pas philosophique, mais poétique. Que le fondement du discours philosophique est poétique et non pas philosophique. Alors comme tu l'as très bien rappelé, effectivement, très vite, cette dualité m'a paru problématique parce que justement, encore dualité, et plus précisément, cette dualité vise à rendre compte de la différence, ou plutôt elle correspond à la différence entre deux plans d'individuation. Un plan d'individuation, celui de l'archimouvement, qui concerne les étants non vivants, et puis un autre plan d'individuation, non plus par circonscription, mais par séparation ou par expulsion, qui correspond au vivant, expulsion ou séparation effectuée par l'archi-événement. Alors le problème de ce dispositif, effectivement, c'est qu'il maintient le clivage entre non-vivant, c'est le plan strictement voilà, cosmologique, et puis vivant, qui suppose cette séparation métaphysique. Alors évidemment, ça pose problème, mais comme tu l'as très bien dit, ça pose d'autant plus problème que le corps n'a pas de place dans ce dispositif, ou plutôt est des deux côtés à la fois. Et c'est pourquoi j'ai été conduit, par des voies un peu compliquées évidemment, j'ai été conduit à renoncer à cette dualité au profit de ce que j'appelle déflagration. Et ça me permet de répondre tout de suite à une de tes questions. Cette déflagration, j'ai envie de dire, elle est indistinctement cosmologique et métaphysique. Hein. Elle a un statut, alors que je nomme cosmologique, mais à dire vrai, qui pourrait tout à fait être nommé métaphysique, au sens où j'entendais dans les livres précédents, parce qu'au fond, cette déflagration, c'est quelque chose comme une de séparation originaire. Hein. Donc, c'est un événement qui ne se donne, se produit que comme sa propre multiplication, sa propre multiplicité, sa propre dispersion, etc. Donc, l'idée de déflagration, elle vise à renoncer à la distinction entre un plan de pure mobilité cosmique et puis un plan d'individuation par séparation. Parce qu'au fond, il n'y a pas de pure mobilité cosmique. Ce qu'il y a, c'est quelque chose comme une sortie de soi originaire, comme une séparation originaire. Évidemment, tu faisais allusion à Plotin.
Et on pourrait penser à la manière dont la première hypostase, évidemment, se déploie et en se perdant en même temps sous la forme des autres hypostases. Donc, voilà la situation. Alors, évidemment, la question majeure, c'est qu'est-ce que le sentiment vient faire là-dedans ? Eh bien, plutôt, est-ce qu'il y a encore une place ? Eh bien, je réponds oui, effectivement. Et cette place, elle est assez précise et ça apparaît à la fin de ce livre, de ce dernier livre auquel tu fais allusion. Cette place, elle est requise par le fait qu'il y a, si j'ose dire, un revers de la médaille de la phénolisation humaine, c'est-à-dire qu'il y a un échec de notre succès au sens où notre puissance de phénolisation, c'est-à-dire notre puissance de constituer un monde, a pour conséquence une forme d'autonomisation de ce monde par rapport à son propre sol, ce que la phénologie connaît très bien au fond, si bien que par penser, et c'est typiquement l'attitude de la science et l'attitude naturelle, que le monde que nous déployons donne la vérité ontologique ou donne délivre le statut ontologique ultime du monde, alors qu'il n'en est rien. C'est un monde produit par un processus de phénolisation qui est le nôtre, par le langage, etc., etc. Mais ce monde, évidemment, il procède de la réduction de la tension entre notre position et ce sol originaire qui est le sol de tous les étangs. Donc, de nouveau, je bute sur la question, même si je ne le formule pas dans le livre en ces termes, comment se fait-il alors que nous soyons en mesure de nous détacher de ce qui nous apparaît a priori comme le seul monde possible, notre monde, pour le faire apparaître comme le résultat d'un processus et l'effet de la réduction d'une tension comme séparation vis-à-vis d'un sol plus originaire. Donc il faut bien, là encore, il faut bien que quelque chose nous ait toujours déjà initié à ce sol, de telle sorte que même s'il est totalement recouvert, nous soyons en mesure d'y faire retour et de faire une cosmologie qui est en même temps une métaphysique. Et la seule réponse possible, c'est évidemment quelque chose de l'ordre de ce que j'ai nommé sentiment dans ce livre. Ce qui veut dire que toute ma description du sentiment, je le tiens absolument tel quel dans la nouvelle personne. C'est pour ça que la métaphysique du sentiment, pour moi, est un livre important, bien sûr parce qu'il rassemble les choses antérieures, mais aussi et surtout parce qu'il met en avant quelque chose, une exigence, disons, que je nomme sentiment, hein. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, je ne sais pas, une exigence qui demeure absolument valable et plus que jamais. Hein. Pour le dire en d'autres termes, et là, si ça relève d'une analyse phénoménologique simple, au fond, on ne peut pas en penser de désir sans initiation préalable à cela qui pourtant est recherché dans le désir. C'est ce que je dis dans ce livre, c'est exactement comme la connaissance chez Platon, on ne pourrait pas rechercher quoi que ce soit si on ne le connaissait déjà, et pourtant pour le connaître, il faut le chercher. Eh bien, on pourrait dire que le désir ne pourrait même pas s'orienter vers son objet, objet qui fait défaut puisqu'il le désire, s'il ne le possédait pas toujours déjà d'une certaine façon. Et pour donner un équivalent psychologique de la chose, j'appelle amour, hein, cela qui est au désir, l'équivalent de ce que j'appelle sentiment au plan métaphysique. C'est-à-dire, au fond, l'amour, c'est quoi ? C'est la donation immédiate, soudaine et totale de cela qui se donne comme devant indéfiniment être recherché. Donc, le sentiment reste plus que jamais valide, en quelque sorte, comme initiation nécessaire au sol. Voilà. Dans le vocabulaire, dans le dernier vocabulaire, je dirais comme ça. C'est l'initiation nécessaire au sol sans laquelle la réduction de la tension et l'orientation vers le sol ne serait pas possible. Alors maintenant, ta dernière question, évidemment, je la retarde parce que je suis incapable d'y répondre. Évidemment, ça fait deux fois que j'annonce une esthétique. Écoute, tu as commencé le travail puisque tu as commencé à donner le cahier des charges. J'en prends note, mais je t'avoue que tout ça est en gestation et je ne sais même pas d'ailleurs si ça pourra prendre la forme d'une esthétique, ce qui est quand même très ambitieux, ou plus modestement d'un travail, de plusieurs travaux sur des peintres et des poètes, ou plutôt sur un peintre précis et un poète précis, pour tenter de mettre à l'épreuve un petit peu cette perspective, parce que je trouve ça extraordinairement difficile de construire une esthétique. En tout cas, c'est en gestation, mais je suis désolé de te décevoir, je ne suis pas capable d'en dire beaucoup plus que ce que tu as toi-même proposé. Merci beaucoup, Renaud. Même les déceptions sont très plaisantes dans ta philosophie. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes sur le temps. Et je ne sais pas si Jefferson est là et nous donnera d'autres questions. Jefferson, si estás por ahí presente, ahí
¿Hay alguna otra instrucción? El tiempo está, pues, ya, digamos, cumplido. ¿Hay algunas preguntas, pues, del público? Esta, en parte, pues, creo que ha sido abordada, pero no sé si... Si, je ne sais pas si Rino voudrait se référer un petit peu à cette question. Comment est-ce que le même rapport en sujet peut-être continuité ontologique avec le monde néanmoins sans distinguer peut-être, c'est, je dois répondre, je peux répondre. Oui, oui, bien oui, sûr. C'est une question, évidemment, c'est une question fondamentale, mais je ne suis pas sûr maintenant que cette formulation soit la meilleure, parce que je ne suis pas sûr que le sujet se distingue de quelque façon que ce soit du monde, au sens où le monde contient tout, le monde est omni-englobant, le sol, parce que, au fond c'est le nom originaire du monde, le sol est sol pour tous les étangs. Et donc, en effet, la réponse à cette question, c'est plutôt la distinction que j'ai proposée, entre le sol et le site, étant entendu que tout site est site au sein d'un sol. Donc, le sujet, il est en continuité ontologique avec le monde, et même il en procède, mais il s'en distingue, et d'ailleurs le sujet est tout étant, il s'en distingue originairement en raison de son étantité, c'est-à-dire en raison de son individuation, et donc en raison de ce que j'ai appelé site au sens topologique. Mais il est capital de comprendre que la pluralité des sites, c'est un pur disparate au sens leibnizien qui n'implique encore aucun espace au sens propre. Hein, c'est une pluralité métaphysique, si j'ose dire, hein, mais qui n'est pas encore une pluralité proprement spatiale. Et donc, là, je donne la réponse plutôt que je ne... Enfin, je veux dire, je reformule le problème plutôt que je ne donne une réponse en disant, au fond, assumer cette question, c'est mettre au jour une différence entre différents modes de spatialité, entre différents niveaux de spatialité. Ici, c'est assumer ou mettre au jour les différences et la tension entre le sol et le site comme distance au sein du sol. Il y a une deuxième question, oui, mais vois, peut-être oui. Pour penser la phénoménalisation de préparation en de néantisation sorcière. ¿Puedo agregar un comentario? Claro que sí. Profesor, otra cuestión que yo tenía, que, digamos, esta cosmología, ¿sí?, que tiene como suelo el mundo, por decirlo de alguna manera, en el sentido como centro el mundo, parece dar un paso más atrás, ¿sí?, porque usted habla de un fondo indiferenciado. ¿Es así? ¿Esto es lo correcto? Ese fondo indiferenciado que parece, digamos, estar como por detrás, de que parece ser, por ahí yo tenía anotada una frase donde dice que el fondo se realiza, se mundaniza diferenciándose, dando lugar a los entes finitos, y son la culminación del proceso de diferenciación. Es decir, que esa mundanización que se diferenciándose da lugar a los entes, tiene, digamos, por detrás un fondo indiferenciado, anónimo incluso, dice usted en un momento. ¿Es así? ¿Cómo entiende usted ese fondo indiferenciado respecto del mundo, de la mundanización? Y ahora... Sé que agrega este otro concepto que va a tratar en su libro sobre la pertenencia, que es el de deflagración, ¿sí?, término también merleau-pontiano. Es decir, esa deflagración es una explosión, ¿no? Es decir, es como, digamos, hay algo que mantiene, permanece, pero hay algo también que está en ebullición. ¿Podría usted explicarme rápido? No sé, rápido, no, es mucho pedir. Le concept de déflagration, c'est d'ailleurs le mot, je le trouve chez Merleau-Ponty, et il faut tout de suite ajouter que c'est une, ce qu'il faut réussir à penser, c'est une déflagration éternelle, justement.
et pas du tout temporel, éternel. Et d'ailleurs, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a d'éternité que comme déflagration. Là, le concept de déflagration, il intervient pour souscrire une double exigence. D'un côté, le monde est toujours déjà là. Je veux dire, il y a toujours déjà de l'être, d'une certaine façon. Bref, on est dans une perspective qui n'est pas du tout créationniste. Il n'y a pas de création. Donc, de ce point de vue-là, on est dans une perspective grecque. Mais d'un autre côté, il faut bien faire une genèse du multiple. Il faut penser l'individuation des étangs. Et d'une certaine façon, il faut soulever la question de la mondanéisation au sens de la constitution d'un monde. Et donc, la seule réponse qu'on puisse apporter à cette double contrainte, c'est de dire que ce qu'il y a originairement, c'est justement le produit lui-même, hein, l'explosion elle-même, c'est-à-dire la différenciation, le multiple ou la multiplication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création ex nihilo, hein, mais il n'y a pas non plus un fond toujours déjà constitué. Ce qu'il y a, c'est la constitution comme infinie et éternelle différenciation. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais pour le dire très vite, le concept de déflagration répond à ça. C'est-à-dire, il comprime, il rassemble la distinction, on en a parlé tout à l'heure, il rassemble à la fois l'archi-mouvement et l'archi-événement, parce qu'il consiste à dire, au fond, qu'il n'y a d'individuation que comme séparation. Et donc, l'absolu, c'est quoi? Eh bien, c'est l'événement même de la séparation, c'est-à-dire exactement une explosion, une déflagration. Voilà, on pourrait dire les choses comme ça. Au fond, c'est de penser l'individuation comme séparation, comme je l'avais fait avec le concept d'archi-événement, mais de comprendre cette séparation n'est pas séparation vis-à-vis d'un fond préalable. Cette séparation, c'est l'absolu lui-même. Et dire la séparation, c'est l'absolu, ça revient exactement à dire qu'au fond, ce qu'il y a, c'est une éternelle déflagration. C'est le surgir comme tel. Ouais. Qui dit surgir, dit pluralité. J'espère, je ne sais pas si j'ai répondu, parce que mais voilà, pour le dire mal, voilà exactement à quoi ça. Et donc, il n'y a pas de fond indifférencié, pour revenir à ce que vous disiez, parce qu'il n'y a pas de fond indifférencié, parce que ce qu'il y a, c'est un processus de différenciation. Et donc, s'il y a un fond, ce fond ne se distingue pas de sa propre différenciation, de son propre procès de différenciation. Mais simplement, cette différenciation, c'est une séparation. Et j'ai envie d'ajouter, pourquoi déflagration? Pourquoi explosion? Parce que le propre d'une explosion, c'est qu'évidemment, il y a différents degrés d'éloignement par rapport à la déflagration, justement. C'est ce que Bergson dit très bien dans l'illusion créatrice. Quand un obus explose, les éclats retombent à différentes distances de la déflagration originaire. Et donc, c'est capital, cette histoire-là, parce qu'il y a deux niveaux de multiplicité. Il y a la multiplicité pure, des éclats, mais aussi la seconde multiplicité qui correspond à la distance des éclats vis-à-vis de l'origine. Et c'est cette différence de distance des éclats vis-à-vis de l'origine qui permet de comprendre les degrés de phénoménalisation dont je parlais tout à l'heure. Et simplement, voilà, il y a des éclats qui sont plus près du souffle. Et ces éclats, ils sont plus près du souffle, eh bien, ils sont plus en mesure de phénoménaliser que ceux qui sont refroidis et éloignés du souffle. Okay. Et bueno, una sola cosita. Merleau-Ponty dice en lo visible de invisible, lo originario estalla. Ah, exactement. Éclaté, ¿sí? Exactement. Éclate, oui. Et sí. J'ai envie de... Vous savez, en varias direcciones, no hay, digamos, una dirección, no hay un tiro, ¿sí? Sino que estalla, digamos, explota y explota en varias direcciones, ¿no? Culturalmente es muy rica esa noción. Absolument. Mais vous savez, il y a quelques notes de Merleau-Ponty qui depuis très longtemps me troublaient, celles que vous venez de citer, également quand il parle d'explosion stabilisée, quand il parle d'éclatement de l'être dans l'œil et l'esprit, et au fond, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais peu importe au fond, mais en tout cas, tout ce que je cherchais à construire avec ce concept de déflagration, c'est une manière de tenter de donner sens à ces notes. Quand il parle d'une cosmologie du visible, d'une explosion stabilisée, je pense qu'il allait vers quelque chose comme ça, vers une cosmologie de l'apparaître, hein, une cosmologie originaire de l'apparaître, qui concentrée autour de cette idée des flagrations telles que j'ai tenté de l'esquisser. Voilà. Alors j'ai vu des questions passer sur l'écran, mais je ne sais pas si je peux y répondre. Il y en a déjà une de Manfredi qui est passée, à laquelle je n'ai pas pu répondre. Donc je pose la question. Merci. Merci à vous.
Il y a la question qui a posé Manfredi, Martin Bossetta aussi. Manfredi, il pose la question de... Peut-on penser la phénoménalisation barbarassienne en termes de néantisation sartrienne, c'est-à-dire en soi comme l'archimouvement du monde? D'abord, parce que pour moi, il n'y a plus d'archimouvement du monde. Il n'y a plus d'archimouvement du monde. Il n'y a qu'un monde qui est explosion, hein, le monde au sens originaire, le monde au sens du sol. C'est une pure source dynamique. Donc, on ne peut pas maintenir cette distinction. Et puis, néantisation, non, parce que, évidemment, la néantisation présuppose, évidemment, le clivage entre l'en soi et le pour soi, etc. Donc, la seule chose de Sartre qui, évidemment, m'a toujours intrigué et que, d'une certaine façon, j'ai récupéré, c'est l'idée du sacrifice ontologique à la toute fin d'être et le néant et l'idée d'un en soi qui renonce à lui-même pour donner naissance au pour-soi, etc. Sauf que je me suis expliqué là-dessus dans Dynamique de l'infestation, sauf que chez Sartre, ça ne tient pas, il y a toutes sortes de problèmes, mais il y a quand même l'idée chez Sartre d'un événement originaire, hein, dont procède le pour-soi. Alors, simplement, cet événement originaire, ce n'est pas du tout une tentative d'auto-fondation de l'en-soi, parce qu'il n'y a pas d'en-soi. Donc voilà, pour répondre vite, et j'en suis désolé, je ne pourrais pas faire coïncider les catégories sartriennes avec mon propre propos. D'accord. Il y avait un second sous-titrage. Et oui, Martin Bossetta. Voilà. Mais je l'ai plus sous les yeux. Là. Je l'ai plus sous les yeux. Oui. Il se demande si les concepts merleau-pontiens des idées sensibles, peut-être une notion à partir de laquelle peut se couper, raccourcir le transit de la séparation existante entre nous et le monde. Peut-être, je l'ai sous les yeux, oui. Ça, j'y ai pas encore pensé, c'est une suggestion. Bon, c'est le concept d'idée sensible se situe à un niveau qui n'est pas celui auquel je me situe. Le niveau du concept d'idée sensible concerne un niveau qui est très dérivé par rapport au plan d'analyse où je me situe. Mais je ne peux rien faire d'autre qu'accueillir ça comme une suggestion à laquelle je vais réfléchir. Mais je n'ai pas de réponse prête. Il faut que j'y pense. Voilà, je suis désolé. D'accord. Merci beaucoup, Renaud. Je crois que nous allons encerrando ya la session. Creo que el tiempo está cumplido. Ha sido una conversación realmente pues, muy interesante. Me alegra mucho que hayan todos aceptado la invitación y poder verlos y reunirnos en este espacio. Y bueno, comentar una obra que resulta tan sugestiva para todos nosotros y que continúa su desarrollo en este último libro al cual pues hicimos también algunas breves referencias que es La Partenance. Agradezco enormemente a Renaud Barbaraz, a Eric, a Mariana, a Graciela por haber aceptado la invitación y al público que estuvo presente haciendo sus preguntas y siguiendo también la conversación. Gracias. Je voudrais aussi vous remercier tous. C'était un moment très fort, mais je voudrais dire que c'est extrêmement frustrant de voir ses amis en images. Et c'est là où la chair, quand même, a vraiment un sens. Et donc, évidemment, ce n'est pas sans frustration. Voilà, et donc on regrette que ça ne puisse pas prendre une forme plus incarnée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous. Ciao. À bientôt. Ciao. Professeur. Ciao. À bientôt. Au revoir.